Musique J'aime par Bruno Freitag. Je voudrais aujourd'hui vous raconter l'histoire du Kaddish de la compositrice française Graciane Finzi. Graciane, quel joli prénom, a tout d'abord commencé ses études musicales au conservatoire de Casablanca, où elle est née, puis les a continuées au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où elle a obtenu une myriade de premiers prix, harmonie, contrepoint, composition, etc. Et où elle est ensuite devenue professeure. Alors voilà, les étudiants, pour obtenir leur prix de fin d'études, doivent interpréter tout un répertoire, comprenant entre autres une œuvre de musique contemporaine. Or voici que l'un des étudiants chanteurs, il y a quelques années, le ténor Abdellah Lasri, alla trouver Graciane Finzi, à qui il tint à peu près ce langage. Mon patronyme, Lasri, est fréquent dans les pays arabes, mais c'est aussi un patronyme juif. Alors moi, Abdellah, qui suis marocain, je souhaiterais que vous écriviez pour mon concours un morceau en hébreu. Graciane se réjouit de cette demande admirable et composa donc à cette occasion un kaddish pour voix de ténor avec accompagnement de piano et de violoncelle. Abdellah Lasri interpréta cette œuvre lors de son concours au conservatoire, où il obtint un brillant premier prix, et peu importe que le kaddish soit en fait un texte en araméen, cela ne change évidemment rien à la démarche. Abdellah Lasri a peu après intégré la troupe de l'Opéra d'État de Berlin, puis a chanté de nombreux premiers rôles sur les scènes d'Allemagne, puis de France et d'autres pays. Quant au kaddish de Graciane Finzi, il a rencontré un succès important, chanté à nouveau à plusieurs reprises, y compris deux fois à Copernic. La première fois, il a été donné lors d'un concert kaddish comprenant 18 œuvres différentes inspirées par cette prière. Pour le kaddish de Graciane Finzi, la soliste était la merveilleuse mezzo-soprano Anna Wall, avec Martine Bailly au violoncelle et Karine Zarefian au piano. Ensuite, il a été donné dans une transcription pour voix de soprano, violoncelle solo et quatuor de violoncelle, où la soprano était Hasna Bennani, marocaine tout comme Abdellah Lasri, accompagnée par Martine Bailly au violoncelle et par le quatuor Cell'Opéra. Oh,
Kaddish de Gracian Finzi a été encore chanté par Hasna Benani, cette fois à la cathédrale de Casablanca, dans une version avec orchestre, l'orchestre étant un orchestre marocain. Les œuvres de Gracian Finzi vont de la musique pour piano à l'opéra, en passant par la musique de chambre et par la musique symphonique. Gracian a notamment composé un très beau crépuscule du Col Nidré pour violoncelle seule, comprenant 7 variations sur le thème bien connu de cette prière. Gracian a reçu de très nombreux prix de composition, dont 2 prix de l'Institut de France.